La Minute Watch, ici à l'IFA 2018 à Berlin. On est sur le stand de Pure avec cette enceinte connectée qui va arriver au mois d'octobre, qui s'appelle Discover. Alors oui, c'est un produit compact, sympa, 15 heures d'autonomie. On va pouvoir la débrancher et l'emmener avec soi. C'est de l'USB-C pour la recharge. Donc on est passé à la connectique d'aujourd'hui et de demain. C'est quand même pas mal. C'est un produit qui est compatible avec Alexa, fruit d'un accord avec Amazon. Qui a plusieurs caractéristiques assez intéressantes. La première, vous le savez, on est très sensible aux questions de respect de la vie privée, c'est qu'on a un petit peu peur avec ces enceintes qui ont des micros, qu'elles nous écoutent quand on n'a pas envie qu'elles nous écoutent. La Pure a décidé de matérialiser le on-off, on va dire, de la partie avec les micros, de manière très visible, puisque voilà, on enfonce le dessus, et quand elle est dans sa boîte, ça veut dire que les micros ne marchent pas. Donc, il y a le côté rassurant qui est pas mal. Deuxième point, ça va se passer sur le dessus là, des contrôleurs. On va pouvoir assigner à chacun des coins un raccourci, le raccourci d'une commande vocale. Par exemple, le soir, quand les enfants sont couchés, on préfère appuyer sur le coin plutôt que de dire quelque chose à voix haute. Ça va éviter de réveiller toute la maison et d'avoir accès quand même aux commandes les plus utiles, comme quel temps va-t-il faire demain ou arrête de jouer la radio parce que j'en ai plein les oreilles, voilà, par exemple. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que, mine de rien, là-dedans, il y a pas mal de patates. Si on met un morceau, je vais y aller mollo, mais... Alors, il faut que je ressorte le... Oh. Voilà. Je vais repartir de tout en bas et je vais monter. Bon, voilà. Il y a 45 watts RMS mine de rien dans cette petite boîte, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, il y a beaucoup de concurrence sur ce marché des enceintes connectées. Celle-là va se situer à 249 €, ce qui la met à mi-chemin entre le haut de gamme avec le HomePod et les produits type Bose, et puis les Google Home, etc. Donc c'est un produit hyper intéressant. Qui vient de chez Pure qu'on connaît bien pour ses radios numériques. Donc c'est des connaisseurs du bon son. Donc on la testera au mois d'octobre, mais d'ici là, mettez-la dans un coin de votre tête. Voilà, c'est la Discover.